J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça sera pour un vlog, nouveau vlog. On est le lundi 13, 14, comme d'habitude, je ne sais jamais les dates. Je vais regarder sur ma tablette. 13 mai. Lundi 13 mai, il est 4h20. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand-chose à vous dire. C'est voilà, comme tous les dimanches, c'était tranquille. J'ai fait mon ménage, j'ai fait mes lessives, j'ai joué un petit peu avec ma fille, on a checké les devoirs, préparé sa valise, je l'ai ramenée et après je suis rentrée, ça a été soirée tranquille à la maison. Donc du coup voilà, j'ai rien fait de spécial de mon dimanche, donc du coup je ne vous ai pas repris, je ne voyais pas l'intérêt. Donc du coup je vous prends pour aujourd'hui. Donc ce matin je me suis levée, il était 10h je crois. Ouais je crois 10h ou 10h30, voilà, je me suis reposée ce matin comme d'hab. En plus comme je fais des insomnies, du coup je suis complètement décalée et tout, la fatigue est là. Donc ce matin j'ai rien fait de spécial. Je me suis levée comme d'hab, j'ai déjeuné, j'ai été me préparer, j'ai lancé les lessives. Donc je vais vraiment essayer de garder mon rythme, de faire mes lessives dimanche et lundi. Comme je vous ai déjà expliqué, avec mon contrat de gaz et électricité, la dame m'a mise en heure creuse les jours où je suis à la maison. Comme ça, les autres jours, je fais pas tourner de lessive. Et de toute façon, je vais garder mon rythme là de faire mes lessives dimanche, lundi. Voilà, pour éviter de faire tourner la machine quand je ne suis pas là. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai filmé mon haul Shein. Je l'ai filmé, il est déjà en ligne pour mercredi. Donc vous le verrez mercredi, oui mercredi qui va suivre quand vous aurez ce vlog. Il faut que je fasse le montage de l'aménagement de ma pièce beauté. Je n'ai plus du tout de place sur mon téléphone. C'est pareil, il va falloir que je trie des photos, que je repasse des commandes de photos et tout parce que je n'ai plus du tout de place. Donc il va falloir que je m'occupe de ça pour un peu vider le stockage de mon téléphone. Et du coup, je suis partie vers 1h moins le quart. Donc, je suis allée à Action. Je suis allée à Intersport, à mon point relais, récupérer un colis. Et je suis passée à la mairie. Donc, à la mairie, il me fallait un acte de naissance pour ma fille, pour faire sa carte d'identité et sa demande de passeport. Donc, du coup, c'est bon, j'ai les actes de naissance parce qu'on a rendez-vous mercredi pour son passeport. Donc voilà, donc comme ça c'est fait, j'ai l'acte de naissance. Je suis passée du coup à Intersport parce qu'ils faisaient les Converse blanches en promo à 39,99€ au lieu de 64,99€. Donc en fait chaque année ils font toujours ces promos là et c'est vrai qu'à chaque fois j'en profite. Moi vous savez que je suis une grande fan de Converse, je ne porte que ça. Alors oui vous allez me dire tu peux acheter des fausses Converse. Au niveau chaussures, je ne porte que des Converse et je ne veux que la marque Converse parce que ça tient pendant des mois et des mois. C'est vrai que moi, c'est une utilisation intensive. Je ne porte que ça. Même l'été, c'est très très rare quand je suis en claquette. En général, quand je sais que je dois conduire et tout, je déteste conduire en claquette. Je conduis que en Converse, donc c'est vrai que je ne porte que ça. Et là, comme ça y est, il fait beau, on a le soleil et tout. Du coup, j'ai voulu reprendre une paire blanche pour l'été. Donc voilà, comme ça... Je les ai reprises. L'année dernière, j'avais acheté les mêmes et pareil, à 39,99€. Donc du coup, j'en ai profité. Donc c'est les Madison. Voilà, c'est celle-là. Ce n'est pas les Converse classiques, vous savez, avec la banderole rouge. C'est vraiment les autres. C'est celle-là, voilà, tout simplement. Voilà. Donc moi, je les prends en taille 41 parce qu'en plus, moi, avec mon grand pied, c'est compliqué pour me chausser. Donc voilà, j'ai repris du 41, comme d'hab. De toute façon, je n'ai même pas essayé. Je les connais par cœur. Donc le problème avec les Converse comme ça, c'est qu'à force, ça jaunit. Donc c'est ça l'inconvénient. Mais voilà, vraiment trop trop contente. Là en plus, samedi, j'avais mis ma robe en jean de chez Kiabi. Donc vraiment, voilà, j'aurais voulu mettre des Converse blanches. Donc voilà, très très contente. Je les ai. Donc en taille 41. Donc voilà, vraiment ravie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Elles sont aussi en vente sur le site internet. Voilà, je vous le précise aussi, elles sont en vente sur le site si ça vous intéresse. Donc voilà, comme ça, j'ai ma petite paire pour le printemps-été. Donc très contente, c'est reparti avec une nouvelle paire de Converse. Je suis passée à mon point relais récupérer ma commande Maïs Vitamine. Non, on ne le voit pas.
Voilà, j'ai récupéré ma commande maïs vitamine. Donc, j'ai repassé commande, comme je vous ai dit. En ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes d'insomnie. J'essaye au maximum d'éviter de prendre de la mélatonine parce que bah, voilà, la mélatonine, après, on devient vite accro. Donc, c'est vrai que j'essaye quand même de limiter. Mais en ce moment, je fais énormément d'insomnie, toujours à la même heure. Donc, voilà, je vais en reprendre. Donc là, je vais refaire une cure de 2 mois. Et après, je stopperai et on verra si ça va un peu mieux. En général, voilà, j'essaye de faire une cure de temps en temps, mais pas tout le temps pour éviter de devenir accro à la mélatonine. Donc du coup, j'ai été récupérée en point relais. Donc comme toujours, j'ai mis le code de Fashion Barbie. Je crois que c'est Caroline, je vous le renoterai. Et on a le droit à 55% sur notre commande. Donc ça vaut vraiment le coup. Hop. Et du coup... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais pris 3 trucs. Donc j'en ai eu pour... Je sais même plus. 20aine d'euros, je crois. Bon, je sais même plus. Je crois que j'en ai eu pour 20aine ou alors peut-être 29€. Parce que j'ai pris 3 trucs. Donc du coup, j'ai pris... Voilà, dès ce soir, je vais commencer. Donc j'ai pris ma mélatonine gummies. Voilà, maïs vitamine. Donc il y a 60 gummies donc pour 2 mois. Voilà, c'est des petits bonbons goût cassis, hein, tout simplement. Je revérifie. Ouais, ça doit être au cassis. Donc voilà, c'est vegan. C'est cassis ou alors à la mûre, quelque chose comme ça, c'est aux fruits rouges. Donc il faut prendre une gummise à peu près 30 minutes avant de vous endormir de toute façon. Alors moi, sur moi, ça fonctionne parce que dès que je prends une gummise, je sens que mon corps se détend et je commence à partir dans mon sommeil. Donc du coup, voilà, très très contente. J'en ai repris. Donc voilà, maïs vitamine, vraiment, c'est très très bien. C'est moins de 10€ la cure de 2 mois et je peux vous dire que c'est très très efficace. Donc ça, vraiment, je vous recommande. J'ai repris mes petites gummies multivitaminées. Voilà, donc il y a 10 vitamines essentielles à l'intérieur et des minéraux. Ça, c'est aux fruits rouges, c'est pareil. C'est une gummies à prendre par jour, donc le matin de préférence. Moi, c'est voilà, c'est le matin. De toute façon, ça sera à côté de ma machine à café. Donc, je me suis dit une petite cure de vitamines, ça fera pas de mal aussi. Et je sais quand j'aurai fini la cure, ça sera pour l'été, je serai en congé et tout. Donc, au moins, je me serai un petit peu reboostée. Donc du coup j'ai pris ça c'est pareil, je connais. Alors après les multivitaminés, je peux pas vous dire si c'est efficace, mais je pense, voilà, je pense que ça fait pas de mal. Donc voilà, et vraiment il y a beaucoup de choses, il y a de la vitamine C, vitamine E, de l'acide pantothénique, vitamine B6, vitamine A, l'acide folique, biotine, iodine, inositol, vitamine D3, vitamine B12, voilà, donc il y a vraiment énormément de bonnes choses. Donc je me dis que ça me fait pas de mal, donc hop, pour le matin. Donc ça par contre c'est pas vegan, hein, c'est pas indiqué. Ça c'est pareil, hein, c'est moins de 10€. Et j'ai pris pour tester une petite cure comme ça. Donc c'est 1 mois. Ah ok. Donc c'est une petite cure d'1 mois d'acide hyaluronique. Voilà, je me suis dit ça peut être pas mal pour entretenir ma peau. C'est vrai que voilà, j'essaye de faire énormément attention à ma peau. C'est vrai que j'essaye vraiment d'en prendre énormément soin avec les masques, avec ma routine. Voilà, j'essaye vraiment d'en prendre soin. C'est vraiment ma phobie de ressembler à un charpé, d'être ridé et tout. Donc voilà, depuis mes 18 ans, je prends extrêmement soin de ma peau. En plus, j'ai quand même été énormément ravagée par l'acné avec mon voilà depuis mon plus jeune âge. Donc du coup, voilà, je me suis dit l'acide hyaluronique, ça fait pas de mal. Il y en a dans les produits de beauté. Donc du coup, hop, j'ai pris, on testera. Donc voilà, donc c'est un comprimé, donc ça doit être un comprimé le matin. Bah, de toute façon, moi je vais le prendre le matin. Donc on va regarder ça. Donc du coup, vous avez l'étiquette qui, hop, voilà, donc vous avez l'étiquette comme ça qui se décolle, comme ça vous avez tout le détail. Hop, donc comme d'habitude, il faut que je trouve en français. Je ne vois pas de traduction en français, donc du coup, bah, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je regarderai sur le site et je vous le noterai en annotation sur... je vous mettrai en annotation du coup parce que je ne trouve pas du tout de français. Même ici, je ne trouve pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je vous le noterai, mais de toute façon, moi, je vais en prendre un pareil le matin pour éviter d'oublier.
Voilà, c'est vegan, etc. Et du coup, vous en avez 30. Donc là, c'est une cure d'un mois. Donc après, c'est pareil. Je ne pourrais pas vraiment vous en parler parce que c'est vraiment le bienfait de la peau et tout. Donc, je ne pourrais pas vous dire si je vois du changement ou pas. Mais voilà, je vous en parlerai quand même dans les produits terminés. Donc là, c'est Maïs Vitamine Beauty. Là, c'est Maïs Vitamine Essentiel. Et là, c'est Maïs Vitamine Wellness. Wellness, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, en tout cas, j'ai refait mon petit plein de vitamines. Donc, je suis bien contente. Donc, comme ça, mon colis est récupéré. Et enfin, je vais vous montrer mon petit haul Action. Donc, évidemment, vu que je sortais, Mélanie a été chez Action, évidemment. J'en ai eu pour 23 euros. Bon, ça va. Ça va, ça va. Hop, 23,98€. J'ai 11 articles. Donc, j'ai vraiment été faire un petit tour pour faire un petit tour. J'ai oublié de vous montrer, hop, la dame m'a donné ça apparemment. Ouais, il y a des réductions sur le côté vélo. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est dans tous les intersports. Moi aussi, non, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des promos sur le rayon vélo. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comme ça en vitesse. J'ai repris une boîte de mouchoirs comme ça à 99 centimes. Voilà, vous en avez 200 à l'intérieur, il n'y en avait pas la semaine dernière, double épaisseur. Voilà, donc j'ai repris une boîte. J'avais acheté une boîte en stock dans mon précédent haul Action, mais je l'ai utilisée pour ma pièce beauté, vu que j'ai acheté une boîte Friends où on met les mouchoirs dedans. Donc vous le verrez la semaine prochaine en vlog. Donc du coup, j'ai repris une boîte pour ici, sur ma table de salon. Ensuite, j'ai pris... Alors par contre, ça a coulé, je vais bien le nettoyer. Il me fallait un nettoyant pour le sol, j'ai fini le mien ce week-end. Donc du coup, j'ai pris celui-là, le multi-surface cleaner. Donc par contre, ouais, nettoyant multi-usage. Donc voilà, je vais prendre ça pour laver mes sols. Donc Fabulosa, et ça doit être du coup au fruit rouge. Mais par contre, le problème, c'est que ça coulait. Ça sent, franchement, ça sent bon la cerise, ça change. Hop, voilà. Donc, c'est du 1 litre. Donc, j'en ai repris. Ça, c'était le Fabulosa 1,68€. Donc, vraiment, ça va. J'ai repris également, maintenant que je peux refaire des lessives, j'ai repris mon adoucissant. Je voulais reprendre de la lessive d'avance, mais il n'y avait plus la lessive que je prends habituellement. Donc, voilà. Bon, j'en ai encore. Je saurais finir le mois. Donc, j'ai juste repris. C'est de l'adoucissant. C'est mon adoucissant préféré de la marque Endless Scent. Vraiment, je l'aime beaucoup. 20 lavages, donc, et c'est vrai que ça tient super bien. Ça sent super bon. 2,49€. Donc, du coup, j'en ai repris un d'avance. Parce que je suis en train de finir le mien. Donc, hop, ça, j'ai repris d'avance. Indispensable. Et ça vaut vraiment le coup. J'ai pris ensuite un petit porte-vue comme ça. Le porte-vue. 2,99€. Vous avez 30 pages, 30 pages comme ça en plastique. Donc c'est tout simplement pour mettre les coloriages de mon livre de coloriage, coloriage mystère. J'ai vu que beaucoup de filles font ça, elles découpent leur coloriage une fois qu'elles ont fait le recto verso et elles le mettent dans dans un porte-vue comme ça et elles mettent la première de couverture. Donc normalement il y a des pochettes, des moments plastifiés ici, elles le mettent là. Moi je mettrai de la pâte à fixe et je le mettrai ici. Voilà, je me suis dit ça peut être pas mal, au moins comme ça hop j'arrache les pages au fur et à mesure et je le mets dans le porte-vue. Voilà, mes petits coloriages Disney Disney mystère. Voilà, j'aime beaucoup en faire de temps en temps, je m'y suis remise là tout doucement. Donc voilà, j'ai pris celui-là, Hexacompta livre, voilà. Donc j'ai pris ça, 2,99€, donc si vraiment il m'en manque, j'en rachèterai, c'est pas cher du tout. J'ai trouvé ensuite, ça va aller très très vite, des petits jeux comme ça, Speedy Ring. Je me suis dit ça peut être pas mal, donc en fait ça doit être des petits jeux de vitesse en fait, où vous avez une carte avec un temps imparti et il faut donner des mots je pense. Donc on va regarder, on va en prendre un, on va en lire. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez... une petite clochette. Hop. D'accord, une petite clochette. Et vous avez des cartes comme ça. Et du coup,
C'est quoi? Sonner rapidement, mélanger les cartes, distribuer les à nombre égal entre les joueurs. Les joueurs n'ont pas le droit de regarder les cartes et doivent les poser. Attendez. Je pensais que c'était un jeu de... Ah non, en fait, c'est trois jeux différents. Je pensais que c'était un jeu, vous saviez, par exemple, je sais pas, donner trois légumes, etc. Et je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est trois jeux, mais différents. Donc, en gros, ils expliquent pas le... Sonner rapidement. Bah là, je pense qu'il faut qu'on ait des cartes identiques. Et celui qui est plus rapide, il actionne la clochette. Bon, écoutez, je regarderai un petit peu mieux. Mais bon, écoutez... 1,99€, des petits jeux comme ça, je me suis dit ça peut être pas mal. C'est des petits jeux, on peut jouer rapidement. Donc écoutez, je regarderai parce que là je peux pas. Ouais, je peux pas trop vous dire. Donc je regarderai. Là c'est Speedy Guess. Donc là je pense que si ça doit être le genre de jeu, celui-là, où il faut donner des. Voilà, nomme trois types de fruits. Voilà. Et là, il faut faire des matchs. Ok. Et celui-là... Alors, celui-là, il faut attraper l'objet le plus rapidement et l'objet qui figure sur la carte. D'accord. Oh, bah écoutez, sympa. Voilà, 1,99€. Voilà, des petits jeux sympathiques, même à jouer pendant les vacances. Vraiment, voilà, vraiment très, très bien. Bon, écoutez, 1,99€, franchement, je les ai pris pour le prix. Donc, du coup, j'ai payé... Voilà, 1,99€ l'unité, ça a été pris séparément. Ensuite, j'ai trouvé une petite coque transparente comme ça, pour, voilà, pour changer un petit peu sur le téléphone. Donc moi, j'ai l'iPhone SE 2020. Donc du coup, voilà, j'ai repris une petite coque comme ça, transparente. Voilà, j'aime bien changer de coque régulièrement. Donc ça, c'était 1,99€. Voilà, housse de protection transparente. Donc j'ai pris ça. Donc je la changerai juste après la vidéo. La collection, bah, la gamme Lab 31. J'ai pris des petits Bifi. J'en ai mangé ce midi, donc du coup, j'en ai repris. Donc, j'ai pris mon Bifi comme ça. J'ai pris mon petit Bifi comme ça, un peu façon pizza, qui est vraiment délicieux. Bifi Carazza. Donc, ça, c'est 1,59€. Voilà, trop, trop bon. Donc, j'ai pris celui-là et j'ai pris le Bifi classique, Bifi Roll. Le classique à 1,79€ et on en a deux. Donc ça, en général, des moments, ça me fait repas. Comme là, ce midi, j'ai mangé tard. Hop, je mange ça et c'est très bien. Donc voilà, c'est vraiment des petits repas rapides. Et enfin, dernier achat, j'ai pris pour 4,49€ un panier comme ça. Donc c'est un panier de 27 litres, tout simplement pour mes lessives. Quand je prépare mes lessives en haut, au moins, hop, je les mets dans le panier et je les descends là pour la machine à laver dans le cellier. Maintenant que j'ai une machine à laver, voilà, ça sera quand même plus pratique parce qu'à chaque fois, je mets dans des sacs de course ou alors je suis à la main, j'en fous partout. Donc au moins, j'ai mon petit panier et en plus, j'ai pris celui qui était dans la même collection que mon panier de linge sale. Donc voilà pour mon petit retour de chez Action, donc 23,98€. Donc le lundi prochain, j'ai ma fille... Donc du coup, quand je la dépose à l'école... Ah non, non, je dis des bêtises. Ah bah, j'irai pas chez Action lundi prochain. C'est férié. C'est férié, mais je travaille. J'avais oublié. Donc non, j'irai pas chez Action parce qu'il n'y a pas d'école. Donc du coup, j'irai que le lundi d'après faire un petit tour, je pense. Donc voilà pour mes petits retours de course. Voilà, comme ça, j'ai bougé un petit peu. Donc là, bah, je vais ranger mes petites courses. Il faut que je descende aussi, c'est mes poubelles. Je vais plier mon linge, faire un peu de montage vidéo. Voilà, petite fin de journée tranquille. Il faut que je regarde aussi au niveau de l'administratif ce qu'il y a à imprimer pour ma fille. Donc il faudra que je m'en occupe aussi. Et voilà pour les petites news. Donc voilà, rien de plus. De toute façon, voilà. Là j'ai mon père qui doit passer vers 5h30 me mettre une ampoule dans ma salle de bain parce qu'elle a cramé. Et après c'est tout. Dès qu'il sera parti, je vais poser un masque, regarder une petite vidéo en attendant. Je vais me laver, il faut que je lave mes cheveux. Et voilà, ça sera tranquille.
Ce soir, c'est Twilight, le dernier. Voilà, le dernier, le 4 partie 2. Donc ce soir, je regarderai ça, je pense sûrement en faisant un peu de montage ou un peu de coloriage ou voilà quoi. Donc voilà, petite fin de journée tranquille. Donc je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 14 mai, il est plus de 10h. Non, j'ai pas ma tablette, mais il est plus de 10h, 10h30 je crois. 10h30 ou un peu plus de 10h30. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça a été la reprise du boulot, nouvelle semaine. Donc ça s'est très bien passé. Franchement, ça va, on n'a pas eu trop de monde et tout aujourd'hui. Donc voilà, plutôt bonne journée, c'est moi qui fermais le magasin. Faites pas attention, vous allez être bancal sur cette partie de vlog. C'est pas grave, c'est un vlog. Et j'ai mon petit trépied que j'avais acheté à Action. Mon petit trépied à main qui déconne complètement. Je galère à chaque fois à vous mettre droit et tout. À chaque fois, il penche et tout. Donc bon, il faudra que j'investisse par la suite dans un truc plus qualitatif. Je sais qu'il y en a d'autres. Il faudrait qu'à l'occasion, j'en rachète un. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, ce matin, j'ai rien fait de spécial. Hein. Je me suis levée. Je crois qu'il était 9h30 ou 10h moins le quart. Voilà, le temps de déjeuner, regarder quelques vidéos, me préparer. Après, voilà, j'ai été travailler. Là, je suis rentrée, il était plus de 20h, évidemment. Donc, pareil, la douche, je me suis lavée. Manger, j'ai préparé les papiers parce que demain, j'ai rendez-vous à 9h30 pour le passeport de ma fille. Donc, du coup, on a rendez-vous. Donc je vais arriver un petit peu plus tard en formation. Donc j'ai tout, j'ai tout préparé. Donc voilà, je me suis posée. Là, je suis devant Koh-Lanta. Donc j'ai mis en pause. Comme ça, je peux passer la pub. Et j'ai fait un petit masque en même temps, comme toujours. Donc j'ai fait le petit masque que Manon m'a offert dans le colis. Le petit masque mini comme ça. Donc ceux-là, je les avais jamais... Alors, je sais plus si je ne les avais pas trouvés. Peut-être je les avais vus, mais je les avais pas pris. Mais ça m'étonnerait parce que les masques comme ça, Disney, j'aime bien les prendre. Donc, je pense plutôt que j'ai dû jamais les trouver dans mon Action parce que ça ne me dit rien du tout. Donc, elle m'en a offert deux. Donc, voilà, je ferai le deuxième. Donc, voilà, très, très bien. Par contre, j'ai juste l'arête de mon nez qui me gratte. Mais sinon, voilà, au moins, ça hydrate bien et tout. J'aime bien faire ça. Puis, comme je vous dis, j'essaye toujours de faire ça au moins une fois par semaine. Je vous prends rapidement parce que j'ai fait un petit achat chez Kiabi. Alors, je suis tombée dessus, bêtement, samedi. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi cette mignonitude? Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, j'invente un mot. Donc, voilà, chez Kiabi, vous avez une petite partie accessoires. Donc, évidemment, la mode du moment, c'est Stitch. Et là, je tombe sur quoi? Un kit de pinceau Stitch. Franchement. Mais je l'ai trouvé, mais juste trop mignon. Alors, quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai dit, oh là là, je le veux trop et tout. Donc, du coup, hop, je l'avais mis de côté avec mon prénom, du coup. Donc, voilà. Du coup, je l'ai acheté tout à l'heure. Donc, j'ai pris un kit pour moi et un kit pour ma fille. Parce que, du coup, ma fille, si elle les voit, elle va vouloir les avoir. Donc, du coup, je lui ai pris. Voilà, donc, collection voilà, Disney Stitch. Donc, les petits kits de pinceaux. Donc, par contre, c'est pas donné. Hein. Franchement, 9 euros. Heureusement que j'ai ma remise personnelle parce que franchement, je trouve que ça fait cher. Donc du coup, vous en avez 5. Donc je vais les ouvrir avec vous. Je ne les ai même pas ouverts, rien du tout. Donc on va regarder ça. Je vais déballer ça. Donc j'ai ouvert le petit kit. Donc vous en avez 5 à l'intérieur. Donc il dit juste ouais, accessoires, maquillage, c'est tout. Donc hop, on va regarder. Hop, voilà, ils sont tous sortis. Alors, je les testerai, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vais garder le petit packaging, comme ça je vous en reparlerai dans les produits terminés. Mais écoutez, si vous allez dans vos Kiabi, il y a des petits pinceaux Stitch. Donc vous en avez 3 pour le teint. Voilà, donc il y en a 3 pour le teint comme ça. Alors, franchement, ils ont l'air hyper doux. Ouais, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Alors, à voir si ça va pas perdre trop ses poils. Mais ça m'a l'air vachement doux.
hop, ils sont comme ça, bleu turquoise, noté stitch. Donc celui-là, je dirais plus pour l'highlighter. Celui-là, il peut être pas mal en pointe et tout. Celui-là, hop, celui-là, il y a juste des petits motifs dessus, des étoiles, des cœurs. Celui-là, il a un petit peu biseauté. Donc celui-là, je dirais plus, ouais, le blush. Et vous avez celui-là avec le petit stitch. Voilà, trop mignon. Qui est comme ça. Donc celui-là, franchement, avoir peut-être le bronzer. Mais ça m'a l'air quand même assez petit. Mais à voir. Peut-être pour le bronzer. Et vous avez deux petits pinceaux après pour les yeux. Voilà. Donc vous en avez un pour la paupière mobile. C'est pareil, il n'y a rien de plus dessus. Voilà, un pour la paupière mobile. Et un peu plus fluffy, c'est pareil, il est plat. Donc peut-être pour le, ouais, le ras de cils. Le ras de cils, ouais, ça serait plutôt pas mal. Ou alors pour le point de lumière. Ouais, ça peut être pas mal. Et c'est pareil, celui-là, il est simple. Alors au niveau packaging, c'est vrai qu'au final, il y en a que. Ouais, il y en a quand même trois où il n'y a rien dessus. Et il y en a que deux qui sont voilà, à motif. Avec Stitch et le petit bonhomme. Mais bon. Écoutez, voilà, je les ai pris vraiment, je les ai trouvés, mais juste trop, trop mignons. Donc, c'est pas comme si je manquais de pinceaux, mais bon. Moi, les pinceaux, je les utilise beaucoup, donc au bout d'un moment, ça se décolle et tout. Mais voilà, écoutez, je les ai pris vraiment trop mignons. Et c'est vrai que, voilà, superposé comme ça et tout, ça m'a trop donné envie de les acheter. Donc, ça ira au lavage et puis je vous en reparlerai. Donc, hop, je vais vous reprendre comme ça. Donc du coup, voilà, je vous ai juste repris pour, je vous ai juste pris pour vous parler de ça. Ce matin aussi, j'ai clôturé la vidéo aménagement de ma pièce sous format vlog. Je vais vous laisser, peut-être je vous reprendrai demain, peut-être pas, je sais pas, on verra. De toute façon, demain, il n'y aura rien de fou. Rendez-vous à la mairie demain matin, formation, et après je finis à 17h et je rentre directement à la maison. Donc écoutez... Je ne sais pas s'il y aura énormément de choses demain. Mais on verra si je vous reprends demain ou un autre jour. Je vais finir de regarder Koh-Lanta. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 15 mai. Il est un peu plus de 20h. J'ai aujourd'hui eu formation, donc j'ai fait 9h-17h. Je suis arrivée un petit peu plus tard parce que comme je vous avais dit, j'avais rendez-vous pour le passeport de ma fille. Finalement, on est resté même pas 10 minutes à la mairie parce que je m'en doutais. La photo, ça ne va pas, donc il faut refaire une photo. Le justificatif de domicile de mon ex, ça ne va pas non plus. On a des papiers pour la garde alternée à remplir. Et c'est pareil, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte d'identité de mon ex-conjoint qui est en cours de création. Donc du coup, on va repousser un petit peu le rendez-vous. Donc voilà pour les nouvelles du rendez-vous. Il va falloir reprendre un rendez-vous, etc. Donc du coup j'ai été en formation, je suis arrivée, il était à peu près 10h, ouais peut-être 10h20, presque 10h30. Je suis passée à Aldi prendre à manger parce que j'avais pas de reste vu que j'ai fini les restes de lasagne hier soir. Donc j'ai pris des toniques, bon je vais pas vous les montrer, vous savez les eaux un peu gazéfiées là, les tonic water ils appellent ça. J'ai pris des bananes, je me suis pris un plat pour ce midi, donc j'avais pris du poulet et des pommes de terre, voilà, j'avais pris un yaourt en dessert et j'ai trouvé une petite nouveauté, déjà je vais vous les présenter, c'est les nouveaux Kinderini, donc vous savez je vous en avais parlé dans le précédent vlog, je les avais pas trouvés à Carrefour et là je les ai trouvés, donc je les ai pris, donc on goûtera ça, je vous en reparlerai. Donc c'est quand même un beau paquet, hein. 20 biscuits, 250 grammes. Par contre, je n'ai pas le prix, donc je ne sais pas du tout le prix. Peut-être moins de 4 euros ou moins de 3 euros. Donc comme ça, je les ai trouvés, je les goûterai. Et il y avait des petites promos beauté. Donc du coup, j'en ai profité. Je me suis repris une gamme pour les cheveux. Donc justement, je voulais la tester. C'est la nouvelle gamme L'Oréal Elsève Hyaluron Repulp. Shampoing réhydratant 72 heures à l'acide hyaluronique. Gorge les cheveux d'une hydratation durable pour les cheveux déshydratés et fatigués. Donc voilà, j'ai voulu prendre ça pour tester. Donc c'est du 300 ml et j'ai payé 2,99€. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et du coup, j'ai pris le démêlant réhydratant évidemment dans la même gamme.
d'émail et sel, l'hydratation. Donc c'est un 250 ml. Donc en plus, je vous en avais parlé, je voulais la... c'était ma prochaine gamme que j'avais en tête. Vu que Bérénice en parle souvent, Manon également en a déjà parlé. Donc du coup, voilà, comme ça, c'est chose faite. En tout cas, ça sent super bon. Ouais, vraiment, ça sent bon, ça sent les produits professionnels. C'est vrai que L'Oréal, elle sait vraiment, à chaque fois, je kiffe les odeurs. Ça sent vraiment bon et voilà, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, L'Oréal. J'ai déjà testé la gamme Dream Long. Voilà, j'ai déjà testé plusieurs gammes. Ça sent trop, trop bon. Donc, dès que j'aurai fini mes shampoings, mes produits cheveux, je prendrai cette gamme-là. Il faudra que j'achète à Carrefour, c'est le masque pour les cheveux, comme ça j'aurai la gamme intégrale et je me rachèterai aussi, c'est une gamme Kérastase pour entre deux. Parce que là en ce moment, comme vous savez, je tourne avec deux routines de début de semaine. Donc une semaine sur deux, je fais ma Kérastase et une semaine sur deux, je fais la gamme Jean-Hélène que Fanny m'avait trouvée à Noz, qu'elle m'avait offert. J'ai également pris, je l'ai vu passer hier dans un TikTok, des petites brumes comme ça. Donc, c'est des brumes pailletées sans alcool pour le corps et les cheveux. Voilà, c'est du 200 ml. Donc, moi, clairement, je vais l'utiliser pour le corps en été, histoire de mettre un peu de paillettes. Et voilà, vraiment, ça sent super bon. Les petits plaisirs, ça, c'était un peu plus cher. Hein. C'était quand même 4,99 €. Mais franchement, c'est super beau, lacté et tout. Donc, du coup, je l'ai pris. Il y avait aussi en version noix de coco. Non, fleur de cerisier, mais j'ai pas pris. Et il y avait également les parfums. Donc, il y avait Vanille Monoï, que j'avais vu sur le TikTok, mais qu'il n'y avait plus dans mon Aldi. Et il y avait la senteur coco, mais j'ai pas pris. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop trop bon. Donc ça, cet été, ça va être une tuerie. Donc voilà, j'ai pris ça, non pas que j'en avais besoin. Mais j'ai pris pour tester. Voilà. J'ai été récupéré deux colis Vinted. Voilà, j'ai acheté les produits, vous savez, les produits liquides qui faisaient chez Action, dupe des Charlotte Tilbury. Je les ai trouvés pas trop chers sur Vinted. Donc par contre, je les ai trouvés en séparé. J'ai pas trouvé le lot de 3 à moindre coût parce que clairement, les gens vendent ça à des prix. Je vous raconte même pas, je vais aller chercher mes ciseaux. Donc je disais, les gens vendent ça à des prix exorbitants. Franchement, je trouve ça honteux. Vraiment, c'était à 1,99 € chez Action. Il y a plein de gens qui ont fait des stocks pour les vendre sur Vinted à des prix fous. Franchement, j'ai vu du 12 €, du 15 €. Du 18 €, non mais franchement, faut pas se foutre de la gueule du monde, sachant que c'était à 1,99 € chez Action. Donc du coup, en fouillant sur Vinted, je les ai trouvés séparément et à moindre coût. Donc là, du coup, j'ai le blush. Voilà, le petit blush. Donc je sais pas s'il y a une teinte ou quoi. Bâton de blush crème, voilà. Fab Factory. Non, il n'y a pas de teinte, il n'y a rien. Voilà, donc du coup, j'ai pris le petit blush. C'est du 15 ml. Donc, je crois que la fille me le faisait à 1 €, quelque chose comme ça. Donc, ça m'est revenu plus cher avec les frais d'envoi, mais bon. Du coup, je l'ai pris. Alors, je vais pas le swatcher comme je me suis lavé et tout. De toute façon, on le testera en vidéo. Donc, c'est tout neuf. Voilà, ouais, il est vraiment tout neuf. Donc, après, il y a juste qu'à appuyer, le produit sort et il faut appliquer et estomper. Donc, voilà, vraiment très, très contente. Et du coup, j'ai également trouvé, c'est la lighter. Hop, à une autre vendeuse. Donc, je l'ai pris. Et tout à l'heure, coïncidence, j'ai trouvé à 3 €. Alors, tant pis, je l'aurai en double. Une fille, alors par contre, elle, je la connais. Elle a un Instagram et elle commente souvent mes vidéos. Donc, c'est son prénom, c'est Mélanie. Pareil, elle s'appelle Mélanie aussi. Et en fait, elle revend. Alors par contre, elle, je trouve ça bien parce qu'en fait, quand elle trouve des nouveautés dans son Action, elle les achète, mais elle les revend à moindre coût. Voilà, donc là, c'est intéressant parce qu'au moins, pour les personnes qui ne trouvent pas les nouveautés, bah, au moins, elle les propose sur son Vinted. Donc, c'est ça qui est sympa. Oh, vraiment très bien emballé. Dis donc. Merci pour votre achat. Bonne journée. C'est quoi son prénom? Amélie? Je sais pas son prénom. Ouais, en tout cas, très bien. Vraiment. Nickel. Vraiment bien emballé et tout. Je regarde au cas où. Hop.
je regarde au cas où il y aura un cadeau ou quelque chose comme ça, on sait jamais. Et du coup, j'ai trouvé l'highlighter. Donc, comme je vous disais, Mélanie vendait à 3€ le bronzer et l'highlighter. Donc, du coup, tant pis, j'aurai l'highlighter en deux fois. C'est pas très grave. Je ferai plaisir à quelqu'un. C'est pas grave. Et du coup, voilà, on a ici, hop, l'highlighter. Donc, comme ça, j'attends plus que de recevoir le bronzer et comme ça, j'aurai le trio. Voilà, comme ça, je l'aurais eu à moindre coût. Là, je pense que c'est pareil, elle me l'a fait à 1. Bah, il était à 1 ou 2 euros. Donc, vu que c'était vraiment tout neuf. Ouais, vraiment, on voit là, pas... C'est pareil, c'est tout neuf. Donc, j'ai dit, allez. Je les prends parce que vraiment, ça m'embêtait de ne pas les avoir trouvés. Je les voulais vraiment. Bon, j'arrache à chaque fois, hop, les packaging. Donc, du coup... Hop, voilà, pareil, tout neuf, parfait, franchement trop contente. Comme je vous dis, il manque plus que le bronzer et comme ça, j'ai le trio et à l'occasion, dans un crash test action, on testera aussi les petits produits. Donc voilà pour les petites news pour aujourd'hui. Là, j'ai mon repas qui est en train de cuire, donc là, j'ai fait cuire du riz et j'ai des pavés de truites qui sont en cuisson dans le four. Donc comme ça, je vais manger ça ce soir et demain soir. Et je vais aussi faire cuire des pâtes pour me faire une petite salade également pour demain midi et sûrement pour vendredi midi. Comme ça, je prépare mes repas à l'avance. Donc là, je vais au moins faire cuire mes pâtes, les faire bien refroidir cette nuit. Et demain matin, j'aurai plus qu'à assembler. Et comme ça, j'aurai plus qu'à assaisonner. Et pour demain soir, pour demain midi, comme ça, j'aurai ma petite salade. Donc voilà pour les petites news. Donc là je vais ranger mon petit bordel, je vais manger, voilà, tranquillement, petite soirée tranquille. C'est pareil, j'ai mon linge à faire, je pense que je vais m'en occuper ce soir en regardant la télé. Je vais peut-être mettre Buffy contre les vampires, comme ça je vais faire mon repassage en même temps. Et voilà, rien de plus à vous dire. Donc je vous laisse et je vous reprendrai sûrement demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi 18 mai. Je vous ai un petit peu laissé tomber pendant 2 jours, il me semble. Je crois que la dernière fois que je vous ai repris, c'était mercredi, quand je vous ai montré mes petits achats Aldi et Vinted. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il est 16h42, donc je ne vais pas traîner. Donc jeudi, j'ai fait midi 20h, au matin j'ai rien fait de spécial, j'ai juste filmé une vidéo Chine, 100% Chiglam en collaboration avec Manon que vous avez vu dimanche. Et j'ai hier pareil travaillé de 8h à 16h, je suis passée chez mes parents et après je suis rentrée, il était quoi, je crois presque 18h ou un peu plus de 18h, même, je crois même 18h30. Donc après le temps de rentrer, j'ai filmé mon haul qui habille et après j'ai été me laver. Manger, voilà, j'ai fait ma petite routine, faire du montage vidéo et puis voilà, me coucher parce que je rebossais aujourd'hui, 8h-16h. Donc j'ai été récupérer un colis en sortant du boulot. Alors par contre, un colis Vinted, donc je vous l'avais dit, mercredi j'ai racheté le bronzer en crème de chez Fab Factory. Mélanie le vendait mais avec l'highlighter, donc c'est pas grave, l'highlighter, je ferai plaisir à une copine. J'ai ma copine Eleonore qui vient là, donc je lui donnerai. Par contre, j'ai été chercher le colis et là, surprise, donc j'ai acheté 2 highlighters, donc le colis est censé être petit. Et là, je me retrouve avec un colis immense, immense, clairement. Alors Mélanie m'a dit, je vais te donner quelques trucs en plus, mais là clairement c'est une dinguerie quoi, c'est une dinguerie. Le carton est énorme, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère franchement qu'elle n'a pas fait de folie parce que là, entre Manon, Morgan et Mélanie qui s'y met, clairement là, c'est pas possible quoi. Donc écoutez, on va ouvrir ça ensemble. Donc elle faisait 3€, elle faisait ouais 3€ les deux highlighter et bronzer. Donc du coup, je me suis dit, bah génial. En plus, vraiment, c'est pas cher du tout quoi. Ça fait 1,50€, donc ça revient encore moins cher. Bon, avec les frais de port, ça m'est revenu un peu à moins de 2€ quoi. Mais là, clairement, je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dans le colis. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. Merci déjà par avance, mais franchement, Mélanie, je vais t'engueuler par message.
parce que là c'est juste pas possible. Donc je vais pas traîner à ouvrir le colis avec vous parce qu'en fait je pars à 18h, j'ai ma copine Éléonore qui doit venir me chercher. Je pars à 18h au concert, je vous l'ai dit, à Concert Énergie Music Tour. Donc c'est un concert gratuit, donc il y a Amir, Vita, Slimane, il y a le chanteur Parapluie. Normalement il y avait Pierre Garnier mais finalement c'était des rumeurs, il n'y est pas. Donc bien dommage. Donc du coup, bah, elle m'a noté ouvrir ici. Donc bah, clairement j'ai peur. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à ranger là, mais je vais juste laisser comme ça. Mais je laisserai dans le carton, je rangerai demain. Mais... Oh là là. Il est énorme. Oh. Donc elle m'a mis un petit mot. Oh là là. Si j'arrive. Hop. Bah, voilà, je suis obligée de l'ouvrir en vidéo pour la remercier. Hello, j'espère que tu vas bien. Quand tu liras ce petit mot, tu seras choquée de la taille du colis. Évidemment. Le colis est à ouvrir dans l'ordre des numéros indiqués. Elle m'a fait un swap. Je t'ai mis toutes sortes d'articles et de produits que je souhaiterais que tu testes car perso j'adore. Je t'ai mis aussi des petits cadeaux qui te seront utiles. J'ai mis quelques trucs aussi pour ta fille, j'espère que ça lui plaira. Merci beaucoup. La boîte a des compartiments à ouvrir. Je tenais vraiment à te faire ce colis, t'es une de mes youtubeuses préférées. Je te souhaite une bonne réception et j'espère que tout te plaira à toi et à Luna. Encore merci pour ta commande. Bisous, à bientôt Mélanie. Ça me touche beaucoup, vraiment ça me touche beaucoup aux youtubeuses préférées. Penser à ma fille, vraiment ça me touche beaucoup. Bon, faut pas pleurer, mais voilà, merci beaucoup parce que c'est vrai que Mélanie m'identifie beaucoup sur ses vidéos et tout. Après, voilà, c'est vrai que j'ai des personnes des moments qui me disent que j'ai un grand impact sur elles, que je leur remonte le moral avec mes vidéos et tout, mais c'est vrai que bah voilà, moi je m'en rends pas forcément compte. C'est vrai que moi je m'éclate sur YouTube, voilà, à force je commence à être habituée à des personnes qui commentent régulièrement, mais. Vraiment, ça me touche beaucoup et en plus de penser à ma fille, quoi. Évidemment, je suis choquée de la taille du colis. Elle m'a fait un swap, quoi. Non. Alors déjà, il y a plein de trucs. Elle m'a mis un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau biseauté comme ça. Ça, c'est... Ah, ça doit être pour les sourcils. Alors, c'est pas en français. Ouais, il me semble que c'est pour teinter les sourcils. Ah, ça va être bien ça en plus pour mon petit gel à sourcils de chez Révolution Pro que j'ai racheté. Ah bah nickel. Alors je ne connais pas du tout. C'est de la marque Kilis. Franchement génial. Merci beaucoup. Voilà. Ça, je suis, voilà. De toute façon déjà il y a plein de trucs dedans. Alors ça je sais pas. Donc là il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc je vais ouvrir. Marque Floss, ah j'ai déjà eu dans la Blissim, 3,99€, ah de chez Noz. Ouh, elle est jolie en plus. Ah ouais, bah ça, le genre de petite palette parfaite pour tous les jours. Top. Merci, merci beaucoup. Un petit masque, bon bah ça, c'est génial. Un masque nutritif, cheveux secs, ah bah génial, 75ml, l'OVA. Je testerai, je ne connais pas. Top. Ici, ah la petite brosse de chez Action. Parfait, en plus j'en avais plus une petite brosse comme ça en silicone. Parfait, avec une petite spatule. Nettoyer, donc ça peut nettoyer le nez, éliminer les impuretés, exfolier, voilà, mélanger et appliquer avec la spatule. Bah, génial ça. En plus c'est vrai qu'à chaque fois je les vois mais je n'ai jamais pris. Bah parfait, ça sera dans ma douche. Dès demain. Génial. Un petit crayon comme ça, Max Factory. Crayon pour les yeux. Crayon à sourcils. Ah, crayon à sourcils, ok. Donc ça doit être la teinte blonde. Bon, il n'y a pas de teinte, je verrai ça. Petit crayon à sourcils. Ici, on a une crème pour les mains. Au monoeil, bon ça sera détourné pour le corps, mais trop bien.
Ah bah le petit baume botanique, bah, je le connais, je viens de le finir, Manon elle me l'a offert. Donc je l'ai de nouveau. J'ai un petit pochon comme ça. Hop, avec les corps nourrissants, karité, douceur. Oh ça sent bon ça, karité, douceur, amande. Ça c'est top, ça sent super bon de chez Yves Rocher. Ça c'est top. Oh, oh c'est trop mignon. Ah bah, il va aller sur mes clés. Clairement, il va aller sur mes clés. Comme ça, je t'aurai avec moi, Mélanie. Merci beaucoup. Donc là, il y a les petits numéros pour ta fille. Donc ça, comme c'est pour ma fille... Oh, en plus, elle a un beau carton. Oh, oh là là. Ah bah, je la filmerai demain. Je vais pas ouvrir. Je vais pas ouvrir pour ma fille. Ça sera ouvert demain. Vraiment, ça sera ouvert demain. Mais merci beaucoup vraiment de penser à mon bébé. Merci beaucoup, c'est adorable. Ici. Ah, c'est un démaquillant. Yes, love. Oh, en plus, je me demandais c'était quoi. Oh, trop bien avec la petite... Eh, c'est comme chez Action. Ok, démaquillage. Donc, c'est juste un démaquillant. C'est pas un nettoyant. Si, on peut l'utiliser en nettoyant, je pense. Donc vous avez comme la petite brosse en silicone. Ouais, ça doit être plus un nettoyant. Ouais, je pense que c'est un nettoyant, ça se voit au vu du produit et tout. Mais franchement, ça trop bien. En plus, ça doit sentir trop, trop bon. Ça sent bon la fraise. Franchement, ça change les odeurs de d'habitude. Trop, trop bien. Bon, bah ça, je vais tester. Vraiment super. Hop, un petit bonus. Oh, du petit coloriage mystère, trop mignon. Oh bah ouais, en plus, elle sait que j'aime bien. J'en parle souvent que j'aime bien. Oh, trop mignon. Oh bah merci. Merci beaucoup. Hop, donc là, il y a le numéro. Le numéro 5. Donc, hop. Le 4. Hop. Il y a encore une petite crème. Ah non, c'est un masque baume. Ah, un masque baume, super. Régénérant, 30 ml. Super, Yves Rocher. Ça sera utilisé. Et on a ici un petit gel douche. Alors, je ne connais pas du tout. Gel douche au jasmin. Ah, c'est pareil, elle sait que c'est des odeurs que j'aime bien. Donc, franchement, bon, bah, c'est là qu'on voit que on me connaît à travers les vidéos. Parce que vraiment, hop. Trop bien. Oh là là, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Alors, hop, il y a du mal à se refermer. Il faudra faire attention. 300 ml. Génial. Donc, du coup, je vais ouvrir les petits paquets. Donc déjà, bah, merci beaucoup pour tout ça. En plus, je vois que les paquets, ils sont énormes. Donc, le numéro 1... Ah, ils sont là, voilà, les petits highlighters, trop contente. Franchement, trop contente. Donc, du coup, l'highlighter. Donc, l'highlighter, je vais le laisser de côté. Comme ça, je vais le donner à Eleonore. Hop, vu que je l'ai. Et le bronzer. Bah, écoutez, génial. Comme ça, je testerai. Franchement, je suis contente parce que du coup, ça m'a pas coûté trop cher les trois. Et comme ça, je les ai. En plus, ils sont tout neufs. Donc, parfait. Franchement, on testera ça. Merci beaucoup. Fab Factory, génial. Franchement, je suis trop contente. Coucou ma belle, merci pour ton achat, j'espère que ton colis te plaira, je ne m'attendais pas du tout mais je suis hyper heureuse pour le coup. Je manque aucune de tes vidéos et franchement à mes yeux t'es une fille incroyable. On vient de vivre toutes les deux une séparation et honnêtement c'est grâce à tes vidéos que j'ai pu remonter la pente et je t'en remercie énormément. Je t'encourage à continuer tout ce que tu entreprends avec YouTube. Alors qu'elle me dise que j'ai pu l'aider à remonter la pente, moi aussi. YouTube m'a beaucoup aidée, ça me permet de me sentir moins seule les semaines où j'ai pas ma fille. Voilà, c'est vrai que je me sens beaucoup moins seule et ça me permet de me changer les idées. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je vous l'ai annoncé après ma séparation, mais quand je filmais encore mes vidéos, donc voilà, au moment de novembre, décembre, je filmais mes vidéos. C'est vrai que je savais déjà que j'étais en séparation et tout, donc c'était pas simple. Et c'est vrai que YouTube m'a aidé aussi à remonter la pente et tout. Et voilà, vraiment, je suis très triste aussi de ce qui t'est arrivé parce que voilà.
voilà, c'est pas des périodes simples, mais voilà, tu me dis ce que j'ai pu t'aider. Bah écoute, si j'ai pu te remonter le moral, voilà, dites-vous autant toi que les autres abonnés que vous m'avez également remonté le moral avec tout ce qui est voilà, vos commentaires, prendre de mes nouvelles, voilà, de regarder mes vidéos et tout. Et même là, le fait de penser à ma fille, d'envoyer pour ma fille, franchement, elle va être tellement contente quand elle va rentrer, voilà, elle va avoir son petit carton, elle va être très très contente. De toute façon, je te la filmerai aussi, tu la verras, mais voilà, elle va être très très contente. Donc voilà, merci beaucoup de penser à mon bébé. Merci beaucoup beaucoup. Et voilà, merci beaucoup, vraiment, il y a pas de mots. C'est vrai que YouTube m'a beaucoup aidé. C'est vrai que voilà, la chaîne ces derniers temps a évolué de fou et tout. Je m'investis de plus en plus sur la chaîne, donc merci beaucoup. Donc là, il y a une enveloppe qui est remplie. Oh, oh, yo, yo, oh, mais c'est rempli. Oh, trop beau. C'est un petit, un petit bijou comme ça de téléphone. Oh, bah ça, je vais le mettre. Il est trop, trop beau. De chez Action. Une petite pince. Bon, bah ça, évidemment, j'en mets des pinces, surtout quand j'ai les cheveux mouillés. Chanel. Oh là là, une petite miniature de mascara Chanel. Le noir allure. Oh là là. Oh! C'est un échantillon, mais le truc, il est trop, trop classe. Oh là là. Alors par contre, il pue un petit peu hein, quand même pour du Chanel. Mais franchement, il y a même le logo et tout. Trop trop. Voilà. Oh là 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 là, merci. Oh, fondant. Fleur d'oranger. Oh là, en plus il est gros celui-là. Je vais en avoir pour un moment. Trop bien. Trop trop bien, franchement génial. Là c'est pareil, c'est blardé. Oh là là, plein de petits. Le lit par injection de Too Faced. Plein de fois j'ai voulu le tester. Le lit par injection extrême. Oh là là, mais c'est trop bien, Plumper. Franchement, je voulais trop le tester. Plein de fois, j'ai hésité, même quand il était en promo et tout. Parce que je me disais, ouais, ça faisait encore 30 balles et tout le coffret. Merci, franchement, merci beaucoup. Oh, Dior, un sérum. Ça, j'ai déjà testé ces petites miniatures-là. Oh là là, bah, trop bien, trop bien. Bah non, c'est même pas Dior, c'est lent comme je dis des bêtises en plus. 5 minutes, bon, trop bien. De toute façon, ça va être testé, hein. La base de teint lissant, ah oui, professionnel. C'est pareil, j'ai un échantillon que je n'ai jamais testé. Oh bah ça va être testé. Hein. Professionnel de bénéfice, trop bien. La petite mousse de douche rituelle. Bon, en plus, je l'ai eu dans la blissime. Donc, celle-ci, elle va tout de suite aller sous la douche. Une gelée moussante, peau nette. Laboratoire Novexpert. Bon, bah, tout ça, ça va être testé. Hein. C'est, voilà. Le petit échantillon de crème pour le corps rituel, ça c'est pareil, j'aime beaucoup, ça sera testé. Ah, le shampoing Nuxe, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Pareil, hein, je vais le tester. Hein. Enfin, je vais le retester, 9 ml, 7 ml. Bon, bah, tout ça c'est très très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, franchement, je suis pourri gâtée. Hein. Je ne m'attendais pas à un colis de cette taille-là. Moi, je m'attendais à un petit colis. Le truc de fou. Numéro 2, alors, je pense que c'est un rangement pour ma pièce. Ouais. Oh bah génial, bah, j'en trouverai une utilité. Alors ça, il n'y a pas de souci. Hein. Oh ouais, trop bien. Franchement, même ça, c'est trop mignon. Ah bah ouais, bah limite pour ranger mes bases ou. Ah ouais, non, mais clairement. Ah oui, bah ça, je vais trouver une utilité, mais sans problème. Merci beaucoup. Ça va être utile, t'inquiète pas. Ça sera dans ma pièce. Génial. Donc du coup, le troisième colis, bah, c'est le cadeau de ma fille, donc elle regardera demain. Le numéro 4, donc ça, c'est des petits produits. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Bah génial, shampoing de la marque Body Ressort au Guava Extra. Donc c'est un shampoing, ouais, shampoing volumisant.
Donc la marque, ça doit être Body Ressort, je connais pas. Exotical Guava. Génial. Génial, en plus, je connais pas. Bah écoute, comme ça, ça me fera un shampoing. Sent bon en plus. C'est un 250 ml. Génial, je testerai. Ici, un tonique. En plus, tonique, j'en ai plus beaucoup. Donc, c'est très bien. Rose Balance, en plus, c'est cool. J'ai eu un masque de cette marque-là par Fanny. Donc, c'est génial. J'arriverai ce scotch plus tard. Ah, génial. En plus, en tonique. Les toniques comme ça, en spray, c'est génial. Vraiment, c'est pratique le matin. Hop, je spray. J'attends que ça sèche. Je fais mes soins et ma crème. Bah, je me maquille. Très, très bien. Peau normale à grasse, 150 ml. Très bien. Vraiment, très, très bien. Et le dernier petit colis, c'est pareil, qui est bien rempli, le numéro 5. C'est pareil, c'est blindé. Un petit masque comme ça au charbon, donc c'est de l'hydrogel. Trop bien, génial de chez Action. Oh, des petits masques, oh trop bien, des masques nettoyants et purifiants. Masque purifiant au charbon de chez Lidl et masque nettoyant purifiant. Ben, génial, génial, je vais tester. Donc celui-là, nettoie en profondeur, tolérance cutanée, TCC sous contrôle dermatologique, charbon actif, archile blanche et thé vert, deux échantillons de 8 ml. Et ça, c'est resserre les pores. Pareil, deux sachets d'humilité. Bah, très bien, j'utilise. Pareil de chez Lidl, body spray. Ah oui, un spray pour le corps. Senteur fleur, très bien. Spa moment, c'est pareil. J'ai vu la gamme passer. Bah très bien. Franchement très bien. Je testerai. Elle m'a remis une petite pince comme ça. Trop cool. Ah, des petites éponchines. Génial. En plus, ça va être bien pour le. Ah, c'est bien ça. Limite, je vais en laver une. Je vais en prendre une tout de suite pour mon anti-cerne. Ah, génial. Des petites comme ça. Et pour finir. Donc ça doit être un petit make-up. Figlam, un petit fluide pour teinter les joues et les lèvres. Oh, génial. Je crois que je l'ai vu sur TikTok. C'est en forme de petite fiole. Ouais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est très liquide. Ouais, ça, faudra que je teste parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Voire limite pour les lèvres, quoi. Donc voilà pour le big colis qui au départ partait juste de deux highlighters, deux produits crème Action. Franchement, merci beaucoup Mélanie, merci, merci du fond du cœur. De toute façon, je vais t'envoyer un message tout de suite. Mais voilà, vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à ma fille et d'avoir pensé à moi. Vraiment, il fallait pas m'offrir tout ça en plus. J'ai juste fait un achat de moins de 5 euros. Vraiment, comme je vous dis, j'ai fait un achat de 3 euros quoi. Hein, donc c'est pas avec moi qu'elle va... Qu'elle va faire fortune, mais vraiment penser à moi comme ça, ça me touche du... Voilà, comme je vous dis, ça me touche du fond du cœur. Et voilà, de voir l'impact que mes vidéos peuvent avoir sur vous, vraiment, ça me touche énormément. Et voilà, faut pas me faire des trucs comme ça, hein. Vraiment, je m'y attendais pas, quoi. Moi, je m'étais dit, bon, un petit colis avec quelques bricoles en plus, quoi, mais je m'attendais pas à tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup, merci merci beaucoup du fond du cœur. Je te fais plein de bisous, Mélanie. Voilà, merci du fond du cœur, du fond du cœur, du fond du cœur. Voilà, ça me touche énormément. Et de toute façon, comme je te dis, il y aura dans ce vlog-là, je ferai ouvrir à ma fille son petit colis. Comme ça, voilà, je veux qu'elle l'ouvre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais merci beaucoup de penser à mon bébé, ça me touche énormément. Donc voilà, je vais vous laisser... Ouais, il est déjà 5h03, je vais aller prendre une douche, me remake-uper en vitesse avant que ma copine arrive et de toute façon, je vous filmerai un petit peu au concert, etc. Voilà, je vloguerai un petit peu pour que vous puissiez partager ce petit concert avec moi. Donc voilà, de toute façon, là, on fait départ à 18h. On va aller... donc, départ à 18h, on va tout de suite, c'est... comme ça, le temps qu'on arrive, il sera 18h30, 18h45. On mange et après comme ça on a le temps de se poser sur la place et tout parce qu'après il va y avoir énormément de monde. Donc on préfère y aller à l'avance. C'est vrai qu'il y a 2 ans on était quand même assez loin. Si on peut être un peu plus près, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc je vous laisse et on se retrouve. Vous aurez la suite de cette journée. Mais moi je vous retrouve. Ouais.
tout passe, mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre. Vivre tous ces enfants si différents du tien. J'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Ça fait bientôt un an qu'il m'a sauvée de toi. Souvent je me demande où j'en serai pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais. Ma main de papier J'aimerais tenir pour de vrai.
sur mon cœur plein de sang. Peut-être que ça se blessant. Je sais que tu vas mes réseaux. T'es là, tu cherches mes défauts. J'ai pas le cœur brisé, j'ai le cœur noir, il est paralysé. Tu m'as donné un éclair, je pourrais perdre le sang. Je suis dans la vie. Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur plus faux comme toute première compo. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que j'ai vu à l'hôtel la victoire avec lui. Cœur à cœur, elle est décide de s'enfuir. Madame sans toutes les nuits, sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Je perds les cheveux fanés, tu ne saurais pas. Comment te plaire, ni comment t'aimer, je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères, dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous cette toile d'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois que j'ai vu à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle me dit que Madame sort toutes les nuits, sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de la vie en son tour. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de la vie en son tour. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle si l'on peut penser vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il ne restait qu'un mot, je ne sais pas la faute de celui qui parle, de celui qui bête dans l'attente, sans comprendre qu'il va devoir vivre tout seul. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé deux, je veux le voir avec toi. Je veux faire tout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé deux, je veux le voir avec toi. Et si ne restait qu'un mot, et je ne sais pas la chose que j'ai pu croire. Et partout où l'on mènera le vent, je serai un peu là. Et s'il ne restait qu'un mot, je ne sais pas la faute de celui qui part, mais de celui qui vient dans la tente, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu vas, sans raison. Il suffit de vivre la saison, de s'aimer avec ses mamans, avec un peu de reste. Viens, on se casse la voix, viens, on se casse la voix. Là où l'amour est toujours à s'inventer des princesses. Pas trop te fait la misère. T'as de mon rêve sur une cigarette. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On en a plein quoi. On est tous les pour faire la fête. Comme si on avait l'amour et la reconnaissance, j'ai pris le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Et tu m'as comme donné l'envie d'être moi.
une de deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de rien. Je ne voulais pas me voyer. Ma pudeur te l'avait. Si elle en était moins. Combien de jours, combien de joies. C'est pas très grave si on s'en prend. Puisqu'une seconde à tes côtés revient des années. Combien de jours, combien de gens. On s'aime infiniment. Et ça m'amuse, m'amuse. On n'est pas près de finir. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 19 mai. Je crois qu'il va être 11h. Je vais regarder en vitesse sur ma tablette sans vous faire tomber. 10h51. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc j'ai été réveillée de bonne heure. À 7h, j'ai reçu un snap, donc du coup, j'ai été réveillée, j'ai eu du mal à me rendormir. Bon, j'ai un peu plus somnolé que dormi. Mais bon, je me suis endormie, j'ai dû m'endormir un peu avant 1h30 du matin, donc bon, j'ai quand même fait une plutôt bonne nuit. Du coup, je suis allée hier au concert Energy Music Tour, comme vous avez vu dans les vidéos. Alors après, je sais pas si au niveau de YouTube, est-ce que YouTube me laissera ma vidéo ou alors est-ce que je vais pas me prendre des droits d'auteur ou je sais pas. On verra bien, écoutez. On verra après si vraiment on me laisse le son et tout, mais que je suis pas monétisée, c'est pas grave, hein, je serai pas monétisée sur cette vidéo là. C'est pas très grave. Donc vraiment très bon concert. Donc on est parti, il était 18h, on est arrivé, il était 18h40. Donc on n'a pas voulu manger tout de suite. Parce qu'on s'est dit ça fait tôt quand même. Donc du coup on a été faire un tour à Auchan. Donc j'ai fait des petits achats essence, je vais vous les montrer après. On va monter dans ma pièce. Donc on a été à Auchan, on s'est dit autant regarder un petit peu le make-up. Donc évidemment Mélanie a fait des achats. Et après on a mangé au Bacon. Donc j'ai pris un menu Big King double XL. Et une petite glace Smarties, voilà. Donc on a mangé dans la voiture et tout, on s'est éclaté, on a bien rigolé et tout. Et puis on est parti au concert, donc vraiment très très bien. Donc je pensais qu'il y avait Slimane, mais il n'y avait pas Slimane, donc il y avait Vita. Il y avait Amir, une chanteuse Esme, je ne la connaissais pas. Apparemment elle est d'originaire, elle est de par chez moi. Il y avait Joseph Kamel, Jack, Eva Queen, Jen Gilly. Neige et Amir, ouais c'est ça. Donc vraiment c'était un bon concert et tout. En plus on a eu franchement du beau temps, il faisait pas trop froid et tout, vraiment très très bien. Bon, il y avait quand même beaucoup de monde, mais j'étais quand même assez bien placée, donc je pouvais quand même les voir et tout, comme vous pouvez voir sur les snaps, par rapport où il y a 2 ans où vraiment je les ai pas vus du tout en vrai. J'arrivais pas à les voir sur la scène. Mais voilà, vraiment très très bien. Donc voilà, on s'est éclaté. Donc ça a fini un petit peu après 23h. Donc après le temps de rentrer, de reprendre la route. Moi je suis rentrée, il était minuit 25, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas traîné à dormir. Donc voilà, très bonne soirée, très très bien avec ma Founia. Donc à refaire. Bon, Julie n'était pas là, elle était en mode babysitting, elle gardait sa nièce. Mais voilà, en tout cas, on s'est éclaté toutes les deux. Voilà, donc vraiment très très sympa à refaire dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Donc là, aujourd'hui, bah, ça va être journée tranquille à la maison. Je vais faire du ménage, bon, comme tous les dimanches. Donc là, j'ai déjà mis du produit dans mes toilettes. Je vais laver mes pinceaux. Comme ça, je vais laisser poser de l'anticalcaire dans ma baignoire et tout.
Donc en plus c'est pareil, mes pinceaux, il faut que je les lave, ils sont dégueulasses. Donc je vais en profiter, je vais laver mes pinceaux. Il faut que je range aussi tous les petits cadeaux que j'ai eu de la part de Mélanie. Je vais envoyer un message pour lui dire justement, pour la remercier et tout. Donc voilà, et puis après bah, il faut que je lave mes sols. C'est pareil, j'ai mon linge à ranger. C'est pareil, je voudrais faire, c'est mon repassage si j'ai le temps. Donc bah, voilà, la petite routine quoi. Faire ma vaisselle, nettoyer ma cuisine à fond et tout. Donc en profiter parce que demain je travaille. Donc normalement j'avais mis non parce que c'était mon jour férié, c'était mon jour de repos et c'est férié. Sauf que on a besoin de personnel dans mon équipe. Donc du coup, vu que j'ai pas fait le 8 et le 9 mai, voilà, c'est normal que je fasse le 20. Donc du coup, je travaille demain, donc je fais 11h-19h, donc en plus j'enchaîne 3 journées du soir. Mercredi, c'est pareil, j'étais pas censée travailler, normalement j'étais censée être en formation. Sauf que j'ai une de mes collègues qui a un rendez-vous et du coup on m'a demandé si je pouvais prendre sa place. Donc bah, bien évidemment, je laisse pas mes collègues dans la merde. Donc du coup, j'enchaîne... Du coup, j'enchaîne 3 du soir, lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, ça va être dur. Jeudi, je suis de journée, 8h-16h, donc ça va. Et vendredi, je ne travaille pas. Donc, mais bon, je ne verrai pas ma fille parce qu'elle est à l'école. Et samedi, alors par contre, samedi, elle m'a mis en 10-18, mais moi, ça ne me va pas du tout parce qu'on a rendez-vous au matin pour la carte d'identité de ma fille. Donc ça ne va pas du tout. Donc je vais voir avec ma directrice pour me faire un midi 20. Parce que moi ça va pas, je sais plus à quelle heure j'ai pris rendez-vous, mais ça va pas du tout. Et il faut qu'on soit 3 pour la carte d'identité. Donc je vais voir avec ma directrice. De toute façon, c'est pareil, elle m'a mis en fermeture magasin et elle m'a mis en 10-18. Donc c'est pas possible. Donc tant pis, je ferai 4 journées du soir. Bon, l'avantage c'est que j'ai mes matinées, mais là, vu que je dois déposer ma fille à l'école et tout, bah voilà, quand les matinées, elles passent très très vite. Mais bon, écoutez. C'est comme ça, c'est le boulot. Et puis après, bon, après, je repars sur mon week-end du dimanche, lundi, quoi. Mais c'est juste exceptionnel. Donc voilà. Donc en plus, la semaine prochaine, il faut qu'on fasse des photos d'identité pour sa carte d'identité. Voilà. Je clôturerai ce vlog quand ma fille sera rentrée, qu'elle aura ouvert le colis de Mélanie. Comme ça, je clôturerai le vlog et j'en réentamerai un la semaine prochaine. Mais si j'ai du contenu, parce que vous savez que les semaines où j'ai ma fille, j'évite de trop vloguer, trop filmer. Et si j'ai pas de contenu, je vois pas l'intérêt. Donc on verra la semaine prochaine si il y a du contenu, si je vous poste un vlog ou pas. On verra. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc là je vais vous laisser. Je vais vous montrer tout de suite. Ouais, on va monter comme ça. Je vais vous montrer tout de suite mes petits achats essence. Comme ça, on stoppe. Et je vous mettrai juste la dernière partie où ma fille déballe son colis et on s'arrêtera là. Alors, du coup, j'ai acheté 4 produits essence. Donc au niveau des prix, je ne sais plus trop. J'en ai eu pour 20€. C'est vrai que j'ai pas pris le ticket de caisse. Donc pour commencer, j'ai pris, alors ça doit être une nouveauté, c'est le Magic Filter Glow Booster en teinte 10 Light LC Glow. Donc c'est du 14ml. Donc en fait, ils appellent ça un fluide illuminateur pour le visage, couvrance naturelle pour un teint parfait et une peau assouplie. Voilà, à utiliser seul ou en base de maquillage ou en finition pour un éclat naturel. Alors moi, je m'étouffe. Alors moi, je vais voir pour essayer de l'utiliser en tant que fond de teint. Parce que je me suis dit, ça peut être pas mal, un peu comme ma bébé crème, quoi, tout simplement, de chez Herborian ou alors ma CC crème. Vraiment, ça peut être, pas mal du tout. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors non pas que j'en avais besoin, évidemment, mais il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ça fait vraiment un petit peu, comme je vous dis, effet fond de teint. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Donc de toute façon, on fera un crash test, hein, bien évidemment. Mais vraiment, ça a l'air... je pense que ça peut être pas mal. Peut-être mettre une pompe ou deux pompes pour vraiment faire un teint très léger. Et pour faire comme une bébé crème ou une CC crème. Donc j'ai voulu prendre ça. Ça m'a intriguée. Ensuite, j'ai pris un produit qui n'est pas nouveau. Mais je l'ai tellement vu passer partout. J'en ai tellement entendu parler. Je me suis dit, je vais le tester.
c'est le Camouflage Plus. Voilà, donc c'est pareil, Healthy Glow Concealer, Waterproof Vitamine Complexe. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc ils disent correcteur ultra couvrant au fini rayonnant, longue tenue et waterproof. Donc j'ai pris la teinte 10 Light Ivory. Donc depuis le temps que j'en entends parler de celui-là, je ne l'ai jamais testé. Donc je me suis dit, vas-y Mel, prends-le. Alors non pas que j'ai besoin à l'heure actuelle de concealer vu l'état de mon tiroir, mais voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est très très rare quand je vais chez Auchan. Donc je me suis dit, autant le prendre. Et c'est vrai, je commande jamais sur les sites internet la marque Essence. Donc voilà. Ça sent bon. C'est une odeur fraîche, je trouve. Voilà, donc c'est comme ça. Donc écoutez, pareil, je testerai. Hop. Et ensuite, j'ai pris des produits pour le teint. Donc pour commencer, j'ai pris un petit highlighter comme ça. Pareil, Glow Highlighter. Donc ils disent Meta Glow Highlighter en 3,2 grammes essence. Donc c'est, ouais, bon, ils disent rien de plus. Duochrome Highlighter. Il n'y a pas de teinte ni rien, en fait, j'en ai qu'un seul. Donc c'est un petit highlighter, bah, en fait, duochrome. Ouais, c'est ça, il est blanc. Ouh, oh là là. Oh ouais, il est magnifique. Avec un peu un reflet un peu violet bleu, quoi, tout simplement. Ouais, bon, il est magnifique. Je sais pas si vous, il va ressortir autant que moi, en vrai. Mais franchement, il est juste trop, trop beau. Donc, non pas que j'ai besoin d'un lighter, bon, pas du tout. Mais j'ai dit, vas-y, je le prends. Donc, trop, trop bien. Donc, j'ai pris ça. Et enfin, j'ai pris une palette Glow and Bronzer Love Zest Essence. Voilà, 16 grammes, donc il y a 3 teintes. Donc, ces palettes d'illuminateurs et de poudre bronzante, ces teintes très pigmentées s'utilisent aussi bien individuellement qu'ensemble pour personnaliser un look, son look. Donc, elle est comme ça. Voilà. Donc, je l'ai vue parce que Manon l'a. Et il y en a une autre aussi, une autre version que j'aurais bien voulu avoir, peut-être sur Vinted. Parce qu'il y en a une autre comme ça de cette collection-là. Et du coup, voilà, quand je l'ai vue, je l'ai prise. En plus, c'était la dernière. Donc, ma copine, elle m'a dit, vas-y, prends-la. Donc voilà, donc on a deux teintes marron et un bronzer. Donc vraiment trop trop beau. Ouh là là là. Bon bah déjà le bronzer, c'est parfait pour moi. Et les highlighters. Oh, oh oui, magnifique. Ouais, nickel. Ça va être la petite palette. Parfaite. Franchement, même en projet panne pour tous les jours. Génial. Donc écoutez, voilà, non pas pareil que j'avais besoin, mais j'ai dit obligé, je prends. Donc, c'est chose faite. Voilà, donc on a la teinte Goddess Glow Sun Kiss Sparkle Tropical Sunlight. Voilà, elle est trop trop belle. Peut-être l'autre, je regarderai sur Vinted, mais en tout cas, très très contente de mes petits achats essence qui n'étaient pas prévus. Donc voilà. Je frotte ma main. Parce que j'en ai partout. Et du coup, j'ai ma copine Eleonore qui m'a donné un petit sac comme ça. Alors je ne sais pas où elle l'a eu, peut-être AliExpress. Voilà, peut-être AliExpress. Hop, un petit sac comme ça. Voilà. Donc. Alors soit ça sera pour moi, soit pour ma fille. Mais je me suis dit pour moi, ça peut être pas mal. Quand je pars et que je veux juste mon téléphone, mon petit porte-monnaie avec mes cartes, vraiment ça peut être voilà, pas mal du tout. Donc du coup, hop, voilà, vraiment pas mal. Hop, la petite lanière et tout, très sympa. Donc écoutez, du coup, hop, elle m'a donné ça. Bon, elle, c'est pareil, du coup, je lui ai donné les rouges à lèvres français, vous savez, du colis à Morgane. Et en même temps, je lui ai donné aussi le concealer. L'highlighter liquide que j'ai racheté en double du coup. Comme ça, hop. Comme ça, c'est fait. Donc à chaque fois, de toute façon, dès qu'on se voit, on se donne des trucs. Hein. Ça ne change pas. Donc du coup, voilà pour mes. Pour mes achats qui n'étaient pas prévus. Donc évidemment, on testera tout ça très prochainement. Évidemment, dans des crash tests. Hop, alors, mon tiroir à highlighter, il n'y a plus de place,
façon, même mon tiroir à palette pour le teint, c'est pareil. Limite, j'hésite à reprendre une étagère en plastique, mais c'est pas raisonnable. Vraiment, ce n'est pas raisonnable du tout. Ouais, alors, tant pis, je vais le mettre là. Voilà, c'est rangé. Donc voilà pour, comme je vous disais, mes petits achats pas prévus. Donc là, je vais aller laver mes pinceaux. Voilà, je vais aller faire mon petit ménage et tout. C'est pareil, le vlog, je vais le monter ce soir devant, devant ma série. Je vais monter mon vlog là pour que vous puissiez l'avoir pour demain. Parce qu'en plus, vu que je travaille et tout, demain, la journée va vite passer. Je commence à 11h, donc moi, à 10h40, je suis partie. Et je vais rentrer, il sera plus de 19h, quoi. Donc voilà. Donc là je vais vous laisser, donc j'espère que ce vlog, je clôture tout de suite, j'espère que ce vlog vous aura plu, voilà, de toute façon j'essaye toujours d'avoir du contenu et tout à vous montrer, donc j'espère que ça vous aura plu, bon n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à commenter cette vidéo, à me mettre les pouces bleus et à activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien des prochaines vidéos qui vont arriver et des prochains vlogs qui vont arriver. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On clôture vraiment avec l'ouverture du colis de ma fille. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut. Allez, c'est parti pour l'ouverture de son colis, comme tu vois Mélanie. Donc ça y est, mon bébé rentre à la maison. Donc en plus, elle a lu ton petit mot. J'ai écrit « Pour ta fille, j'espère que ça lui plaira. » Voilà. Avec un petit cœur. Alors je l'ai aidée à ouvrir le paquet parce qu'elle avait du mal. Donc elle a mis que les compartiments, il faut les ouvrir. En tout cas, elle a bien emballé. Ouais. Ah, c'est sympa les petites boîtes comme ça. Ouais. Ah, c'est un... Colis d'acide. C'est une boîte de calendrier de l'avant. Pas mal. Fais gaffe. Vas-y, mets face à toi et... Donc du coup, ça se présente comme ça. Franchement, c'est beau. En plus, tu pourras réutiliser pour ton maquillage. Ouais, en plus, moi qui dis que j'ai jamais eu. Donc il faut ouvrir les compartiments. Ouais. Donc le premier... C'est un bandeau rouge. Ah, plus, un petit bandeau. J'en ai plus. Ah, elle adore les bandeaux. Donc ça, ça vient de chez Action. Un de plus. T'as bien fait de pas me les acheter. Là, c'est rempli là-dedans. Les élastiques. Les petits élastiques. En plus, je mets quoi sur les cheveux. Nickel pour se coiffer. C'est quoi ça? Ah, un petit masque pour les cheveux. Ben, ça, on pourra l'utiliser. En plus, j'ai eu le shampoing de cette marque-là. Oui. D'ailleurs, t'as eu mon shampoing? On pourra utiliser tous les deux. Ensuite. Après, j'ai eu trois petites pinces. Elles sont très jolies. Bah, elles sont jolies. Après, je sais pas trop c'est quoi. Oh, Kérastase, un shampoing hydratant après soleil. Ah, ça, c'est bien. On pourra le tester toutes les deux. En plus, Kérastase, moi, j'adore. Bah, c'est... Vraiment super gentil. Je vais le sentir après. Attends, ça, c'est quoi? Si j'arrive à le dire. Ça, c'est comme un gloss, en fait. Ouais, c'est un gloss. L'odeur, elle est légère. Ça sent légèrement le monoeil. Un petit. Ouais, c'est ça, eau de coco. Un petit. Trop bien, 80 ml. Un petit gloss. Ah ouais, un petit gloss Lidl. Oh, le sang va être... Un petit sachet. Ça, c'est des petits bijoux. Ouais. Comme t'as ta fouille, hein. Ah, c'est une mini éponge. Moi, je peux pas en mettre ou pas? Pour se maquiller. Non. Ça me rappelle l'énorme pince de Tata Founia, maman. Pareil, des petites pinces. Mmh. Un petit porte-clé abeille. Tranquille. Oh, trop mignon, une petite abeille. Et un petit chouchou. Ah, un petit chouchou jaune en satin. Nouveau chouchou à la collection. Ouais. Donc après, je pense que du coup, c'est sur le haut car il n'y a plus rien. Ah. C'est tout, tout est vide?
Ouais, je crois que tu peux t'aider. T'as ouvert les deux tiroirs? Ouais, ça je te laisse regarder quand même. Hop, tu veux que je vérifie? Bah non, le premier c'est bon. Et le deuxième, et ben voilà. Bah t'as été bien gâtée. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci Mélanie. Elle s'appelle Mélanie aussi. Comme toi. Ouais. Merci Mélanie.